En 2018, les contribuables français ont payé 138 euros de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Chers téléspectateurs, chers amis, l'actualité récente m'a conduite aujourd'hui à vous parler du mouvement Poujade qu'a connu la France au milieu des années 1950. Poujadisme est un terme revenu à la mode, parfois pour identifier le mouvement des Gilets jaunes. Nous verrons ce qu'il en est, car il est toujours utile de se tourner vers l'histoire pour comprendre les phénomènes du présent. J'en profite au passage pour vous signaler, à vous tous qui êtes des amis de l'histoire, soucieux de la transmission, soucieux de la mémoire, que notre émission Passé-Présent, eh bien, elle a maintenant presque cinq ans d'âge sur les antennes de TV Liberté. Tout cela fonctionne grâce à TV Liberté et il est nécessaire, évidemment, d'aider cette télévision indépendante, ce média alternatif dont le besoin n'est plus à démontrer. Donc je vous encourage à le faire en allant chercher toutes les informations nécessaires sur le site de TV Liberté. Mais revenons-en à Pierre Poujade, qui va bousculer quelque peu le système politique français de la 4e République au cours des années 1950. Quelques mots d'abord sur le contexte. Nous sommes à l'été de 1953. La France est dirigée par le gouvernement de Joseph Laniel, qui appartient au Centre national des indépendants et paysans. La France de 1953, c'est un pays un petit peu agité. Elle est confrontée à des grèves importantes de postiers, de cheminots, juste au moment du départ en vacances. Évidemment, ça ne facilite pas les choses. C'est l'été qui voit aussi éclater les premières manifestations paysannes qui se généraliseront au cours des années suivantes. C'est aussi une période difficile outre-mer où la question de l'indépendance marocaine est posée. C'est une époque aussi, il faut le dire, où la France est engagée dans la grande croissance des Trente Glorieuses avec les innovations positives que cela implique. Les Français sont de plus en plus nombreux à partir en vacances, par exemple, mais en même temps, tout cela entretient un processus de modernisation accéléré qui, bien sûr, a aussi ses effets pervers dont le mouvement Poujade sur le plan politique électoral profitera dans une certaine mesure. Alors tout commence à Saint-Céré, un gros bourg du département du Lot, où un papetier qui est aussi conseiller municipal, Pierre Poujade, va devenir du jour au lendemain célèbre pour s'être opposé à un contrôle fiscal. Et ce n'est pas une réaction isolée, il a le soutien de son conseil municipal, il va très vite faire des émules dans sa région
et dans les départements voisins, au point que c'est tout le système politique de la quatrième qui va être ébranlé par un mouvement dont l'ampleur va surprendre et surtout la rapidité avec lequel il s'est propagé. Poujade lui-même, dans son ouvrage « J'ai choisi le combat », résume en ces termes le phénomène. Qui aurait pu croire que sur cette terre gauloise, où la vieille race dure comme le roc de ses montagnes, franche comme le vin de ses coteaux, a décidé que la graine des hommes libres n'était pas perdue, le mot d'ordre de s'unir ou disparaître rencontrerait un tel succès et rassemblerait l'armée des braves gens en marche. Donc un phénomène, encore une fois, inattendu, qui surprend de toute manière par son ampleur. La popularité du mouvement sera immédiate dans le sud-ouest, mais va gagner d'autres régions de France. Il faut le dire, la France qui reste un peu à l'écart des Trente Glorieuses, ce n'est pas la France industrielle, la France du nord, du nord-est, de la région parisienne, qui est la plus touchée par le mouvement. Mais celui-ci n'en est pas moins important, puisqu'aux élections de 1956, bien, les poujadistes vont remporter 52 sièges de députés, censés représenter, selon eux, la France moyenne, la France travailleuse, la France patriote et de bon sens. On le voit, le phénomène était inattendu. À beaucoup d'égards, on peut établir des analogies avec celui des Gilets jaunes que nous connaissons aujourd'hui. Hein. Une France qui se sent déclassée, une France qui se sent oubliée, confronté aux effets, on disait à l'époque, de la modernisation, on dirait aujourd'hui de la mondialisation, eh bien tout cela, effectivement, a des conséquences sociales, suscite des réactions. Mais revenons-en à Poujade lui-même. Le personnage est né en 1920, c'est le fils d'un architecte, mort en 1928, il est donc orphelin de père, il était le cadet de 7 enfants, élevés par sa mère, bon élève à l'école communale, puis au collège catholique d'Aurillac, mais le manque de ressources familiales fait qu'il va commencer à travailler à l'âge de 16 ans dans divers petits métiers. C'est l'époque du Front populaire, Poujade y est hostile, il a quelques sympathies pour le Parti populaire français de Jacques Doriot qui s'est créé en 1936, en dissidence du Parti communiste à l'origine. Il va être au début du régime de Vichy, il va faire partie des Compagnons de France, mais c'est avant tout un patriote. Il rejoint l'Afrique du Nord en novembre 1942 après le débarquement allié, va s'engager dans l'aviation, va rencontrer Yvette, une infirmière pied-noir qui va devenir sa femme, fille de communiste d'ailleurs, et une infirmière pied-noir qui va lui donner 4 enfants. Après la guerre, le couple s'installe à Saint-Céré dans le Lot. Poujade, il a une conscience politique déjà assez éveillée, puisque, bon, il était plutôt patriote maréchaliste au tout début de l'occupation. Puis en Afrique du Nord, il a été en contact avec les milieux gaullistes, avec les milieux giraudistes également. Il n'est pas dupe d'un certain nombre de choses, notamment il supporte très mal les résistants de la dernière heure, qui se sont manifestés à l'été de 1944 de la manière dont on sait, principalement dans les régions du sud-ouest qui constituent sa terre d'origine. Il va se retrouver après-guerre conseiller municipal à Saint-Céré, mais conseiller municipal radical, ce qui n'a rien de surprenant dans ces vieilles terres du sud-ouest, anciennement républicaines et attachées au parti radical, qui était un petit peu le parti centriste, attrape-tout, sous la Troisième République et qui a conservé une partie de cette influence au cours de la Quatrième. Il est papetier, c'est son épouse qui tient le magasin et lui est représentant en librairie, ce qui fait qu'il circule dans le département, dans la région, ce qui est l'occasion de bâtir un réseau amical. Sa gouaille et sa faconde font le reste. Il va ainsi installer d'emblée une certaine popularité, d'autant qu'il est bon orateur, on le vérifiera une fois lancé sa carrière contestataire.
Il a le courage physique nécessaire aussi pour botter les fesses des polyvalents qui prétendent contrôler sa comptabilité. Il n'est pas pour autant un activiste violent. Il sait calmer et contrôler ses troupes. On aura l'occasion de le vérifier plusieurs fois. En tout cas, il va se donner corps et âme à la cause qu'il a choisie, puisqu'il va en 2 ans tenir près de 800 réunions. Autant dire qu'il est constamment sur le front, constamment sur les routes, ce qui explique d'ailleurs le progrès rapide de son mouvement. Dès octobre 1953, après l'expulsion des polyvalents qui s'est effectuée quelques semaines plus tôt, eh bien, un comité départemental est constitué, se prononçant contre la pression fiscale. Dès le mois suivant, c'est une union de défense des commerçants et artisans, l'UDCA, qui est constituée à son tour, qui se présente lors des élections professionnelles à la Chambre de commerce de Cahors et qui va l'emporter même sur la Confédération des petites et moyennes entreprises. Donc, un succès incontestable, venu un petit peu d'on ne sait où. Il faut signaler qu'à l'époque, le Parti communiste français, dont on connaît la puissance, l'influence dans ces années 50, approuve plutôt cette réaction des classes moyennes, des petits commerçants, qu'il interprète comme une réaction de défense, en quelque sorte, de la population, du peuple par rapport à l'État. Le succès entraîne le succès, l'organisation se développe dans les départements voisins au cours du premier semestre 1954 et ce qui va dynamiser en quelque sorte, booster le mouvement, c'est l'arrivée au pouvoir de Pierre Mendès-France à l'été de 1954, on verra. Mendès-France qui va être une cible privilégiée de Poujade et de ses amis. En attendant, en novembre 1954, un premier congrès de l'UDCA est réuni et il se tient à Alger le 1er novembre 1954. Coïncidence, c'est le jour où se produit la Toussaint Rouge, c'est le jour où commence la guerre d'Algérie, qui va marquer profondément l'histoire du mouvement, puisque dès le départ, Poujade va se prononcer en faveur de l'Algérie française. On va lancer un journal qui s'appelle Fraternité Française. On va se proclamer hostile à Mendès-France, soupçonné d'être d'avoir l'intention de brader l'Algérie comme il a bradé l'Indochine. Hein. À l'époque, il y a un très large consensus en France pour l'Algérie française. Faut-il rappeler que François Mitterrand, ministre de l'Intérieur de Mendès-France, tient des propos extrêmement martiaux dès novembre 1954 concernant le maintien des départements français d'Algérie au sein de l'ensemble national. Et puis, au fil des mois, eh bien, l'audience du mouvement va s'étendre, va s'élargir aux petits paysans, eux-mêmes confrontés au défi d'une modernisation accélérée, va progressivement s'attacher des sympathies de classes moyennes qui ont le sentiment d'une perte de statut, d'une perte d'influence, d'un danger de déclassement. Mais celui qui alimente principalement la hargne des poujadistes, c'est Mendès-France. Hein. Mendès-France qui, en août 1954, fait voter une loi de finances dont l'article 33, correspondant à ce qu'on appelle l'amendement Thoré, menace d'emprisonner quiconque s'oppose à un contrôle fiscal. Alors immédiatement, la loi est dénoncée comme scélérate, bien sûr, et l'UDCA va prendre la défense de ces martyrs qui sont poursuivis pour avoir résisté à l'inquisition fiscale. Les polyvalents deviennent donc l'adversaire numéro un, mais il en va de même pour les parlementaires. Et progressivement, c'est une critique du régime parlementaire qui est sous-jacente au discours poujadiste.
Mendès France va aggraver son cas, si l'on peut dire, en lançant en novembre 1954 sa campagne de lutte contre l'alcoolisme. Tous les gens qui étaient enfants à cette époque se souviennent du lait distribué lors du goûter à tous les enfants des écoles. Alors évidemment, il va se mettre à dos les viticulteurs du Midi, les bouilleurs de cru de Normandie, de Lorraine et d'ailleurs. Tout ça, évidemment, va faire les affaires du mouvement Poujade. Et Poujade lui-même s'adresse à Mendès France dans ces termes. Si vous aviez une goutte de sang gaulois dans les veines, vous n'auriez jamais osé, vous, représentant de notre France, producteur mondial de vin et de champagne, vous faire servir un verre de lait dans une réception internationale. C'est une gifle, monsieur Mendès, que tout Français a reçue ce jour-là, même s'il n'est pas un ivrogne. Et quand on sait la place qu'occupe le vin dans la culture nationale française, évidemment, tout cela rencontre un écho et renforce l'audience du mouvement Poujadiste, qui en janvier 1955 va envoyer une délégation auprès du gouvernement avec des revendications antifiscales très précises, délégation également auprès des parlementaires. Hein. Alors les parlementaires qui réagissent de manière ambiguë, le Centre National des Indépendants et Paysans est plutôt favorable, sa clientèle est attachée à la liberté, notamment des bouilleurs de cru. Hein. En revanche, le MRP et la SFIO, les grands partis de gouvernement de l'époque, sont contre. Ce qui cristallise la colère des Poujadistes, qui organisent une gigantesque manifestation à la porte de Versailles, où il y a près de 200 000 manifestants, qui multiplient les meetings en province, qui menacent d'organiser la grève de l'impôt, et qui, en février, organisent un meeting énorme aux Veldives, aux défunts Veldives, qui sera un petit peu l'apogée du mouvement. Poujade y dénonce les polyvoleurs. Mendès France est écarté du pouvoir, mais Edgar Faure, qui lui succède, continue dans la même ligne. Mais le 18 mars 1955, eh bien, sous la pression, le Parlement finit par abroger le fameux amendement Doré menaçant d'emprisonnement les réfractaires aux contrôles fiscaux et s'engage sur un projet de réforme fiscale qui, en fait, ne verra jamais le jour. La dynamique du mouvement se confirme. En juillet, août 55, au cœur de l'été, les trois glorieuses, les trois journées de rassemblement organisées à Saint-Céré, là où a démarré le mouvement, sont un immense succès. La foule est très nombreuse. Dans les élections professionnelles qui suivent, les Poujadistes marquent des points. Et ils vont continuer dans ce sens, d'autant que des élections générales sont prévues pour janvier 1956. Edgar Faure voudrait que ces élections débouchent sur l'arrivée au pouvoir d'une coalition de centre-gauche mobilisée pour la défense de la République. Hein, le terme sert une fois de plus. Hein, l'UDCA est présenté un petit peu comme un épouvantail. Hein, et en janvier 56, effectivement, c'est le Front républicain qui l'emporte hein, au cours de ces élections. Un Front républicain en plus qui va bénéficier d'une certaine neutralité de la part des communistes qui vont soutenir le gouvernement Guimollet sans y participer, bien sûr, mais qui vont décider tout de même de le soutenir. Ce gouvernement qui, contre le danger poujadiste, puisque les poujadistes ont obtenu 52 députés, va ressortir évidemment l'arme fatale de l'antifascisme, dénonçant l'hitlérien Poujade. La recette est bien connue. Ces élections, elles sont quand même extrêmement intéressantes. D'abord, le ton qui est celui des opposants poujadistes. Ils dénoncent les trusts apatrides et le gang des charognards, donc un vocabulaire extrêmement vigoureux. Mais il faut bien voir que le mouvement poujadiste ne présente pas véritablement d'alternative au système. Ça n'empêche pas d'emporter donc 2,5 millions de voix, 11,6%
10% des suffrages et, je l'ai dit, 52 députés. Le slogan « Sortez les sortants » a donc rencontré un certain écho. Quelle est la géographie électorale du poujadisme ? Essentiellement le sud de la Loire, les zones rurales, les petites villes, tout cela, ce sont les vieilles terres radicales qui sont maintenant laissées en déshérence par un parti radical qui est en fin de cycle. En tout cas, ça correspond à une France républicaine, sans aucun doute, hein. Une France qui se sent délaissée, comme aujourd'hui d'ailleurs le mouvement des Gilets jaunes exprime lui aussi ce genre de déception. Derrière Poujade, des commerçants, des petits commerçants menacés par l'apparition des grandes surfaces, c'est le début des prix uniques et autres magasins de ce genre. Il rassemble les travailleurs indépendants, les petits agriculteurs, eux aussi confrontés au défi d'une modernisation rapide, soumis à une fiscalité de plus en plus lourde. Et puis derrière tout ça, il y a aussi le thème rassembleur de la défense de l'Algérie française. Parmi ces héros de l'époque, un jeune député élu dans le 5e arrondissement, Jean-Marie Le Pen, qui à 28 ans, en 56, après ses exploits à la corporation de droit, devient le plus jeune député de France. Il y aura 11 députés poujadistes invalidés, mais il n'empêche que le mouvement est installé maintenant quand même comme une force d'opposition extrêmement sérieuse, même si lors d'une élection partielle en janvier 57, Poujade est battu à Paris. Mais l'influence des poujadistes est là, notamment en Algérie, où Joseph Ortiz va être l'un des acteurs essentiels du mouvement de mai 1958. Cela dit, le mouvement va trouver aussi ses limites, parce que d'abord Guy Mollet va adopter la posture de fermeté que l'on sait en Algérie, hein, avec l'envoi du contingent, la mission confiée à l'armée de gagner la bataille d'Alger. Et ensuite, évidemment, le retour du général de Gaulle en 58 va évidemment casser la dynamique du mouvement. Dans les années 60, celui-ci paraît désormais hors du coup, mais Georges Pompidou voit l'intérêt qu'il y a à récupérer en quelque sorte cette sensibilité-là. Hein, Georges Pompidou va s'inspirer de Poujade pour faire adopter la loi Royer de défense des petits commerçants. Et puis, il faut dire que sur ce terrain-là, il y aura bientôt aussi des concurrents. Gérard Nicou et son Sidi Nati vont venir en quelque sorte occuper la place qui avait été celle du mouvement Poujade. Plus tard, aux élections de 1974, c'est Jean Royer qui porte un petit peu tout ce discours. Alors, comment interpréter les succès des années 50. Certes, c'est le résultat d'une évolution trop rapide, certainement de la société française, secouée par les Trente Glorieuses, par une pression démographique également forte à l'époque, dans un pays extrêmement rajeuni. La géographie du poujadisme, on voit bien qu'elle est celle de ce que le géographe Jean-François Gravier appelait à l'époque le désert français, hein, les régions qui étaient en dehors de l'essor industriel, de la modernité urbaine. C'est un petit peu, à certains égards, le phénomène que croit décrypter également Christophe Gulli aujourd'hui à propos des Gilets jaunes. Mais le poujadisme, en effet, entretient la nostalgie d'une république idéale où chacun est maître chez lui, reste autonome, indépendant. Il est très hostile au salariat, perçu comme un déclassement par rapport à ce que la société antérieure, mais les mutations des 60 étaient quand même les plus fortes. En revanche, ce mouvement n'avait rien de fasciste, contrairement à ce que prétendaient les communistes et à ce que prétendaient les bobos libéraux de l'époque. Hein. L'Express dénonçait par exemple Poujadolphe, hein, même si l'adhésion à l'Algérie française était quand même l'une des marques identitaires du mouvement. Pour conclure, on pourrait s'en remettre à Maurice Bardèche qui, dans sa défense de l'Occident, nous expliquait à l'époque que Poujade ne combat pas la République, il la ramène à ses origines.
nous avons laissé Jeanne Mance à son arrivée à Québec le 8 août 1651. Malgré les mauvais augures du gouverneur, Jeanne se remet très vite de son voyage. Heureusement, car des envoyés de la société Notre-Dame de Montréal, elle est la première arrivée. On n'a toujours pas de nouvelles du bateau de Maisonneuve. Jeanne prend alors les choses en main et commence à organiser la logistique de la communauté. Elle demande, par exemple, aux artisans qui étaient présents sur son bateau de construire un entrepôt pour accueillir les réserves nécessaires à l'établissement de la future colonie sur l'île de Montréal. Maisonneuve n'arrive qu'un mois et demi plus tard, le 20 septembre 1651. Son navire a subi plusieurs tempêtes et il a dû faire demi-tour et escale en France, perdant certains membres de l'expédition qui en profitent pour déserter, dont le chirurgien. Les nouvelles, en plus, ne sont pas bonnes pour la future colonie. Les Iroquois ont rompu la paix avec les Français et leurs alliés indiens Hurons, et les attaques recommencent de plus belle. Le territoire de l'île de Montréal est trop éloigné de Québec pour assurer sa sécurité. L'établissement de la future colonie est remis en question. Le gouverneur de la ville, de surcroît, y est absolument hostile. On cherche à décourager Jeanne de participer à la folle entreprise de fonder cette colonie à Montréal. Il veut même convaincre Maisonneuve et les colons de s'installer sur une île beaucoup plus proche de Québec, l'île d'Orléans. Mais c'est mal connaître Jeanne Mance et Paul de Maisonneuve qui partent malgré les oppositions et les mises en garde. Ils arrivent le 17 mai 1642 sur l'île de Montréal et prennent officiellement possession des lieux au nom de la société Notre-Dame de Montréal. Ils donnent à l'endroit où ils s'établissent le nom de Ville-Marie en l'honneur évidemment de la Vierge. Ils assistent le lendemain à la première messe célébrée sur l'île, messe considérée comme l'acte fondateur de la ville de Montréal. Pour le moment, heureusement pour la colonie, la première année de son installation, les Iroquois les laissent tranquilles. On ne sait pas s'ils ne les ont pas repérés ou qu'est-ce que c'est pas. En tout cas, ils n'ont pas d'attaque iroquoise. Mais ça ne va pas durer. Maisonneuve fait néanmoins construire un fort pour la protection des colons. Il organise la défense et quand les attaques surviendront, les colons pourront se réfugier à l'intérieur du fort. Pendant ce temps, Jeanne n'oublie pas qu'elle a été envoyée par Madame de Buillon pour fonder un hôpital. Mais sa construction ne débutera qu'en 1645. Au début, c'est un bâtiment modeste qui ne possède que quelques lits. Il sera agrandi plus tard. Il y a du travail pour Jeanne qui montre alors toute sa ténacité et son dévouement. Les blessés sont en effet nombreux. Les attaques des Iroquois se multiplient contre les colons qui viennent se faire soigner à l'hôpital, et Jeanne doit apprendre à soigner les plaies horribles de la scalpation. Elle trouve d'ailleurs seule un moyen de les soigner plus efficacement. Jeanne est partout à la fois, apporte réconfort aux malades et aux blessés, et recueille aussi les orphelins dont les parents ont été massacrés par les Iroquois, et elle s'en occupe longtemps, jusqu'à leur majorité. Mais Jeanne s'occupe aussi de l'intendance et de l'approvisionnement de la colonie, dont la survie, évidemment, dépend. Elle forme un véritable binôme avec Maisonneuve. Ils s'entendent très bien, conscients chacun que la réussite de leur folle entreprise repose sur leur rôle complémentaire. Jeanne ne se détournera jamais de son but et de la mission qu'on lui a donnée. À chaque fois que la colonie a été en péril, c'est elle qui s'est obstinée à trouver des solutions, dont la plus audacieuse était d'aller chercher des colons pour la repeupler. Car des 150 colons débarqués à Montréal en 1642, il n'en reste plus qu'une cinquantaine. La situation est grave, et si grave, que la colonie est prête à renoncer. Jeanne persuade alors Maisonneuve d'effectuer un voyage en France pour aller chercher des colons. Car s'il n'y a plus de colonie, Jeanne sait très bien qu'elle ne pourra pas mener sa mission à bien, il ne pourra pas y avoir d'hôpital. En revanche, si Maisonneuve échoue, ils sont d'accord pour renoncer, ils retourneront en France. Jeanne prend alors la décision d'utiliser 22 000 livres donnés par Madame de Buillon pour l'hôpital afin de financer le voyage de Maisonneuve.
Plus tard, le nouvel évêque arrivé à Québec et hostile à cette colonie trop indépendante de la hiérarchie de l'Église, le reprochera à Jeanne et lui intentera un procès en l'accusant d'avoir détourné des fonds. Ce sera une période très pénible pour elle et elle devra se défendre jusqu'au conseil du roi, qui la déclarera d'ailleurs innocente, d'autant plus que Madame de Bouillon, informée de l'utilisation de son argent, avait approuvé la décision de Jeanne et avait même fait un nouveau don à l'hôpital. Mais le geste de Jeanne n'avait pas été fait en vain. Ce que les habitants de Montréal appellent la grande recrue fonctionne. Maisonneuve a réussi. En 1653, 177 nouveaux colons, dont 14 femmes, arrivent pour s'installer à Ville-Marie. Parmi eux, une femme, Marguerite Bourgeois, se distingue. Elle est envoyée par la sœur de Maisonneuve. Marguerite devient l'amie de Jeanne Mance et elle tiendra un rôle essentiel à Ville-Marie. C'est elle qui prend en charge l'instruction des petites filles de la colonie. Malgré les difficultés de voyage en France au XVIIe siècle, Jeanne en fera trois pour consolider ou pour sauver la colonie. Le premier en 1649, le deuxième en 1658, le dernier en 1662. À chaque voyage, elle relance les soutiens et recrute de nouveaux colons pour assurer la survie de la colonie. Elle a un grand pouvoir de persuasion. Lors du deuxième voyage de Jeanne, elle est allée recruter des sœurs hospitalières pour l'aider à l'hôtel Dieu. Sur le trajet de retour en juillet 1659, la courageuse pionnière est confrontée à un mal qu'elle connaît bien, puisque la peste se déclare sur le navire, le Saint-André. Sur les 107 personnes à bord, 18 meurent et Jeanne elle-même est atteinte, puisqu'elle arrive complètement épuisée à Québec et ne peut repartir à Montréal que plusieurs semaines plus tard. Avec Paul de Maisonneuve et Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, ils formeront une sorte de triumvirat qui rassemble trois éléments du développement et de la pérennité de Montréal. L'instruction, domaine de Marguerite Bourgeois, l'hôpital dirigé par Jeanne Mance et la protection assurée par Paul de Maisonneuve. Ce sont les bases d'une société solide qui se constitue grâce à eux. Jeanne Mance s'éteint à 66 ans le 18 juin 1673. Marguerite Bourgeois à son chevet. Ses restes reposent dans la crypte de la chapelle de l'Hôtel Dieu de Montréal. Jeanne a fait don de son cœur à la colonie de Ville-Marie. Plusieurs écoles aujourd'hui portent son nom à Montréal et elle est restée un modèle pour les écoles d'infirmières. Montréal lui a enfin rendu justice car elle est depuis 2012 reconnue au même titre que Paul de Maisonneuve comme la cofondatrice de la ville de Montréal. En témoigne cet extrait d'un texte rédigé justement cette année. De 1641 à sa mort en 1673, Jeanne Mance a mis au service de la colonie de Montréal sa compétence et ses talents naturels. Elle a été l'intendante de la colonie à ses débuts, la créatrice et l'administratrice de l'Hôtel Dieu, la conseillère de Maisonneuve, l'initiatrice de nombreuses décisions qui ont permis à la colonie d'assurer sa survie et son développement. La femme de tête et de cœur à qui chacun recourait dans les difficultés. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui M. Alain Herpette, qui est déjà venu à notre émission à plusieurs reprises. Il a en effet entrepris tout un travail historique de tout premier ordre à propos de la guerre d'Algérie pour revenir sur un certain nombre de figures qui soit sont restées méconnues ou oubliées aujourd'hui, ou des figures à propos desquelles il était bon de refaire une lecture critique parce qu'on pouvait avoir à leur sujet des visions, des interprétations qui ne collent pas vraiment à ce qu'a été la véritable histoire. Je rappelle ainsi son ouvrage sur Jacques Soustelle aux éditions de L'Harmattan, son ouvrage sur Robert Lacoste aux éditions de L'Harmattan également. J'insiste d'ailleurs sur le sous-titre, Robert Lacoste, le bouc émissaire, la SFIO à l'épreuve algérienne. Et puis, il nous propose aujourd'hui un ouvrage consacré à un personnage bien oublié du grand public, il faut bien le dire, mais dont se souviennent en revanche tous ceux qui ont suivi de près ou qui ont été marqués directement par la guerre d'Algérie. C'est Jacques Chevalier, dont on se souvient qu'il fut maire d'Alger, aux éditions de L'Harmattan également, comme les deux précédents ouvrages. Jacques Chevalier, oublié
particulier parce que les nostalgiques de l'Algérie française ou les partisans de l'Algérie française voient en lui un libéral, entre guillemets, avec tout ce que cela pouvait signifier à l'époque, hein, qui est resté en Algérie après l'indépendance et de ce fait qui s'est retrouvé un petit peu à l'écart de l'image traditionnelle qui s'est imposée ensuite de l'Algérie française. Hein. Et s'intéresser à ce personnage, réaliser une enquête, une investigation approfondie, ce qu'a fait Alain Herbet, c'était tout à fait intéressant car cela ouvre des perspectives, des horizons un petit peu inattendus sur ces événements qui sont vieux maintenant, d'une soixantaine d'années. Alors, Alain Herbet, pourquoi d'abord cet intérêt pour Jacques Chevalier ? Soustelle, Lacoste, ça va, on a compris. des personnages qui viennent à l'origine de la gauche, qui ensuite vont se rallier de fait à la cause de l'Algérie française. Il y avait là un terrain, évidemment, tout à fait intéressant à explorer. Jacques Chevalier, il est beaucoup moins connu dans un premier temps, et puis son évolution ultérieure, difficilement lisible. Hein. Et donc, vous avez dû réaliser une enquête bien particulière pour reconstituer le parcours du personnage, hein, avec d'ailleurs un sous-titre à votre ouvrage qui est révélateur, « Les fidélités successives du dernier maire d'Alger ». Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce personnage ? Bon, tout d'abord parce que Jacques Chevalier est d'une certaine manière l'image du traître pour les pieds noirs, voilà. Pour les Français d'Algérie, pour une partie. Je n'avais pas utilisé le terme, mais il est vrai que dans les représentations d'un certain nombre de gens liés directement à cette affaire, c'est un petit peu ce qu'on a, ce qu'on a retenu. C'était la figure du traître, c'est lui qui, dès 55, parce qu'il occupe un poste de secrétaire d'État dans le gouvernement Madès France, s'affiche comme libéral. On reparlera de sa position comme maire d'Alger, parce que c'est ça qui explique un peu ce changement brusque de position. Et puis, de cette position libérale, il adoptera de plus en plus une attitude de franche compréhension vis-à-vis des objectifs du FLN, en particulier sur l'indépendance algérienne. Donc, il choisira la nationalité algérienne en 1962 et croira ou fera semblant de croire qu'il occupera une place nouvelle dans une Algérie nouvelle où tout le monde pourrait rester. Bien évidemment, personne n'est resté. Oui, bien sûr. Et lui non plus. Ce qui fut une illusion assez largement partagée par certains en métropole. En métropole, il faut le préciser. C'était une illusion, c'est ça. Bien évidemment, cette illusion se révélera totalement vaine. On lui donne un poste très honorifique d'administrateur du port, je ne sais trop quoi. On ne le convoquera même pas au conseil d'administration. Il est complètement tenu comme quantité négligeable. Et il faut préciser qu'il n'y a eu aucun pied noir ou aucun Français d'origine d'Algérie qui a occupé un quelconque poste de responsabilité, voire politique. Il n'y a jamais eu de député, sauf une femme qui a été députée à l'Assemblée algérienne, mais qui était l'épouse d'un combattant du FLN. Donc, qui est devenue algérienne de fait, etc. Ce qui était de fait assez aisément prévisible. Avec le recul dont nous disposons aujourd'hui, on pouvait difficilement imaginer une autre évolution. Mais alors ce personnage, Jacques Chevalier, d'où sort-il? Qui est-il? Alors c'est d'une certaine manière une famille d'aventuriers, enfin, je veux dire, mépris dans le bon sens du terme. Oui. Du côté de la mère de Jacques Chevalier, ce sont des gens qui se sont installés en Floride ou en Louisiane, c'est essentiellement. Il y a eu un grand-père de Jacques Chevalier dans l'armée du Sud, dans l'armée confédérée, dont est le père de sa mère, etc. Donc c'est des gens intégrés dans la culture et la civilisation américaine. L'autre, du côté paternel, ils sont allés en Algérie, le grand-père est allé en Algérie, a installé une entreprise de tonnellerie,
dont une partie des ateliers était là où vivait Camus, et on dit que quelqu'un de la famille, l'oncle de Camus, a travaillé dans l'entreprise Chevalier. Donc c'était, ça succédait à son père, et à un moment donné, le père est mort. Donc il fallait choisir. Lui est né en France, Jacques Chevalier, parce que la mère américaine a rencontré le père français, bien évidemment, et se sont mariés, ils sont restés à Bordeaux, mais très peu de temps, et Jacques Chevalier est parti aux États-Unis. Donc, où il a fait une éducation, sa scolarité. Il a fait sa formation aux États-Unis. Et quand son père est mort, et que l'entreprise en Algérie, à Bellecour exactement, il est revenu. Il est parti dans ce cas-là en Algérie pour terminer ses études, de voir s'il pouvait succéder à son père, etc. Ce qui l'embêtait profondément. Il préférait déjà les idées ou la politique. – Et nous sommes là dans les années 30. – Dans les années 30, dans les années 30, oui. Alors là, en Algérie, votre livre nous raconte son itinéraire. Il est proche du PSF, du colonel de la Roque. – Du colonel de la Roque. C'est un des plus jeunes militants, enfin, je veux dire, à 17 ans ou 16 ans. En 1900, quand le colonel de la Roque publie son premier livre programmatique, c'est en 1934. C'est au moment du 6 février, la même année. Donc ça n'a rien à voir, mais enfin bon, c'est la même année. Et il lit ce livre, il est 34, il a 12 ou 13 ans, je crois, en 1912. Et bon, il est pris par ça, ce qui n'est pas très étonnant, c'est un profondément, c'est ça qu'il faut expliquer pour Jacques Chevalier, c'est profondément un chrétien. Un chrétien qui est très attiré, qui remarque sensible à la misère, etc. Donc d'une certaine manière, La Roque, lui-même chrétien, chrétien social, comme c'est on pourrait dire, donc représente cette sensibilité-là. Et il se fait, il se laisse conduire au sein du d'abord des Croix de Feu, puis du PSF après la dissolution des Croix de Feu. Il est jeune élu d'Elbiard. Un élu municipal d'Elbiard, sous l'étiquette PSF, ça dépend exactement, et il va aller jusqu'à la guerre, enfin quand la guerre survient en 1939-40 en Algérie, il est toujours élu Croix de Feu. Alors la guerre, évidemment, c'est un choc considérable pour l'ensemble de la France, mais notamment pour les Français d'Algérie, même s'ils sont un petit peu hors du théâtre d'opération principale. Comment vont se passer les choses pour Jacques Chevalier? L'Algérie, dit-on, est très pétainiste. – Très pétainiste, enfin elle est, disons, plus pétainiste, elle serait plus pétainiste que ne l'aurait été la France métropolitaine. – Sauf que je ne suis pas sûr que s'en fasse des mesures en 1940, oui, bien sûr, ce soit de sondage d'opinion. – Mais bon, ça a duré, disons, peut-être un peu plus longtemps. De vieilles haines ont ressurgi, vous savez, c'est le décret Crémieux qui d'une certaine manière a ressurgi, etc. – C'est ça, il y a la question de l'antisémitisme qui se pose à l'époque. – qui se pose, les Juifs d'Algérie qui bénéficiaient depuis 1870 du décret Crémieux, qui étaient… – Les Juifs indigènes, qui étaient devenus des Français à part entière. – C'est véritablement d'une certaine manière une leçon d'assimilation républicaine, comme on dit aujourd'hui. Ils sont devenus sans exigence de quoi que ce soit, citoyens français à part entière. Donc il y a toujours eu une espèce, d'abord de la part des Arabes, qui disaient pourquoi eux et pas nous. – D'où la révolte de Mokrani au début des 70. – Et bien sûr une partie d'Européens, disons. – Oui, il faut rappeler que Édouard Drumont avait bon nombre de ses fidèles en Algérie. – Il s'est fait élire député d'Alger. – Et il y avait un maire, dont je n'arrive pas à me souvenir du nom, j'aurais dû réviser mes leçons, mais il y a eu un maire d'Alger et un maire d'Oran qui étaient ouvertement antisémites, c'est-à-dire qu'ils avaient une liste anti-juive ou antisémite, etc. Et alors, dans les années 40 à l'époque donc de l'occupation en France, des décrets antisémites qui sont pris en 40 et 41. – Le décret sur le statut des Juifs est signé par Pétain. Il a une conséquence immédiate en Algérie, c'est l'annulation du décret Crémieux. Voilà. C'est-à-dire que toute une série de citoyens français qui étaient profs dans l'administration, etc., se retrouvent indigènes.
indigènes, mm-hmm. se retrouvent à leur statut d'indigène, mm-hmm. Sont exclus de l'éducation nationale, les mm-hmm. élèves sont exclus au nom d'un quorum, etc. Donc c'est une… le ciel leur tombe sur la tête. – Un séisme considérable. Oui, – considérable. Oui. Mais quelle est l'attitude de Jacques Chevalier? Alors, Jacques Chevalier ne s'exprime pas là-dessus. Problématique-là. Il ne dit rien sur cette question. Il s'en accommode. Oui. Mais son ami, parce qu'il est tombé, après être tombé sous le charme de La Roque, il tombe sous le charme du général Végan, mm-hmm. qui s'installe à Alger, oui. avec un oui. poste un peu fait sur mesure, mm-hmm. parce qu'en fait on écartait Végan de Vichy, à la demande de Laval oui. et de Darlan. Végan vient et va très vite trouver sa place et va la tailler sur mesure. Hein, c'est l'opportunité de créer l'armée d'Afrique, qui sera un instrument décisif de la rentrée de la France dans la guerre. Absolument. Et puis, alors, Végan, pourrait appeler Janus quand même, mm-hmm. A une politique vis-à-vis de la question juive, par mm-hmm. exemple, assez dure, plus dure même que les textes officiels de Vichy. Mm-hmm. Il est renchéri là-dessus, mm-hmm. les quorums et les quotas sont rabaissés, c'est plus dur. Et en même temps, il a pris langue avec un certain nombre de gens, puisque les Américains sont présents en Algérie. Mm-hmm. Et une représentation commerciale, des représentations diplomatiques, etc. Et des liens se nouent entre Végan et un certain nombre de représentants des alliés, ouais. qui sont par ailleurs pour une représentation diplomatique à Vichy ouais. aussi. Hein. Et le passé américain justement de Jacques Chevalier joue un rôle certainement à ce moment-là. Ça c'est très, d'abord oui, parce que c'est un Américain de mère, hein. Enfin, sa mère est citoyenne mmh. américaine, il est parfaitement bilingue, bien évidemment. Il a été nommé par Végan maire d'El Bihar, mm-hmm. la commune où il habite maintenant, mm-hmm. la magnifique maison fortifiée, et où il avait été élu conseiller municipal. Donc il est maintenant maire désigné, comme on faisait sous oui, l'occupation, oui, en Algérie mm-hmm. ou en métropole, et il est très proche de Végan. Et je n'imagine pas une seconde que mm-hmm. Végan se soit passé de ce talent. Mmh. D'américanophilie, de connaissances quand même, d'un grand-père qui avait été, après tout, officier de l'armée confédérée. Mmh. Même mmh. si cette question ne se posait plus, ouais. un passé ouais. existe. Donc, Chevalier qui, jusqu'en 1942, est parfaitement dans les cordes. Hein. Il est maire d'El Bihar, il participe au rassemblement pétainiste des mm-hmm. chantiers de jeunesse, etc. Il en est même un des responsables. Il est proche de Végan, etc. Donc tout va bien. Et après le débarquement de novembre 1942, comment les choses évoluent-elles pour lui? Alors, il l'a quitté opportunément quelques semaines avant le débarquement de 1942, ses fonctions au sein du regroupement des organisations de masse pétainistes, maréchalistes. Et comme par hasard, bien évidemment, les Américains, la première halte, une fois débarqués, l'opération Torche réussie. Ils sont guidés par un certain nombre de résistants mm-hmm. qui, à Alger, les attendaient. Et la première halte qu'ils font, c'est à la mairie d'El Bihar, mm-hmm. où Jacques Chevalier est maire. Et les accueille favorablement. Et les accueille très favorablement. Mm-hmm. Donc, à partir de ce moment-là, bien évidemment, le renversement politique s'opère. Et il va rejoindre l'armée française mmh. sur la campagne d'Italie. Il y sera. C'est hein. ça, oui. Il y participera. À partir d'un moment donné, arrivé à Rome, il revient à Alger, où il occupera un poste auprès de Roosevelt, mmh. qui est le commandant en chef. Donc, à la fois traducteur, c'est très facile, c'est très officiel, mmh. mais il est très présent et on ne dit pas exactement ce qu'il y fait. Mais enfin, il est près de l'état-major américain. – Et alors, dans quelles conditions va-t-il reprendre une carrière politique au lendemain de la guerre ?– Alors, il a failli la louper, puisque cette carrière politique, il aurait fallu la jouer tout de suite au moment mm-hmm. de la fin du conflit, avec les élections de députés. – Ça. Or, il se trouve que Soustelle, notre mm-hmm. premier personnage de cette trilogie, a envoyé Chevalier… aux États-Unis pour remettre D'accord. d'aplomb ouais. les services secrets. Mm-hmm. Alors, on peut aussi, pourquoi Soustelle, qui ne connaissait ni Nadine Adam,
Jacques Chevalier s'adresse à lui, c'est que et on sait que quand on redresse, on remet en place des services secrets aux États-Unis, il faut le faire en pleine intelligence avec la puissance dans laquelle on va. Enfin, je veux dire, si les Américains avaient dit, pas de Jacques Chevalier chez nous aux États-Unis pour remettre en place vos services, il n'y serait jamais allé. Donc il y a eu un encouragement américain à faire ça. Donc ce qui fait qu'il a un peu loupé le coche. La tout carrière de suite. Politique proprement dite. Tout de suite, là, en 1945-1946. Mais il revient quand même, il revient assez vite, fin 1945. Et très vite, l'envie le prend, le mord, et il va se faire élire député. Il se fait élire d'abord conseiller général d'Alger, du canton d'Alger. Bon, ça ne lui convient pas, c'est trop petit pour sa mesure. Donc il se fait élire assez vite député à Paris, au Palais Bourbon. Mais là, député à Paris, il va se heurter à un certain nombre de problèmes politiques. Ça va très vite l'ennuyer, parce que ça, c'est une des caractéristiques de Chevalier. Quand l'obstacle est devant lui, bon, il n'est pas content, il le fait savoir, mais au lieu de se battre pour réussir… – Il passe à autre chose. – Oui, il passe à autre chose. Donc là, très à droite, en 1946-47, député à l'Assemblée nationale, il se bat pour l'interdiction du Parti communiste français. – C'est ça, il est… – Le macartisme. – Il est tout à fait investi dans la guerre froide. – Dans la guerre froide, et vraiment, c'est la voix française de McCarthy. – D'accord. – Il se heurte à une résistance assez opaque, même de ses amis, et bon, écoute, doucement les basses, c'est pas exactement pareil. Et puis le Parti communiste, c'est quand même le parti le plus fort en nombre de députés. – Durant cette époque. – Oui, il faut peut-être faire autrement. Donc il se fait contrecarrer, il ne peut pas passer, donc je vais passer autre chose. Non, ça, finalement, ça ne m'intéresse pas. Je voudrais être élu à l'Assemblée algérienne qui, elle, vient de se mettre en place. Alors il loupe la première opportunité, contrairement à ce qu'il croyait, mais il va se faire élire à l'Assemblée algérienne. Et ses amis à l'Assemblée algérienne, ils vont s'appeler libéraux d'ores et déjà, mais pourtant c'est Alain de Sérigny, c'est donc futur directeur de l'Écho d'Alger, qui était déjà à ce moment-là directeur de l'Écho d'Alger, et qui ne passe pas pour une figure emblématique du libéralisme. Du camp libéral, c'est un défenseur de l'Algérie française jusqu'au dernier jour. Donc avec de Sérigny, avec qui il est très proche à ce moment-là, il va essayer de bousculer un peu les choses à l'Assemblée algérienne. Et avec, il y avait un sempiternel, le balancement, un jour, une année, c'était un président de l'Assemblée européen, l'autre un musulman, et puis… Donc il essaie de briser ça en disant non, ça, on s'endort sur une situation acquise, il faut mettre en place un espèce d'intergroupe européen et français musulman, comme on disait, et redynamiser tout cela. Et là encore, il va se trouver, il se heurte à une… – Et donc c'est ainsi qu'il va finalement se retrouver à la mairie. Exactement, exactement. C'est ce qu'il veut faire, ce qu'il voulait faire avant l'Algérienne, il le fait à la mairie d'Alger, en 1953. – Vous expliquez qu'il a des sympathies un temps pour le RPF gaulliste, et puis ensuite, comme beaucoup d'anciens du RPF d'ailleurs, il se tourne vers Mendès France. – Absolument. – Il attend de Mendès France, ça a été l'évolution de certains, je pense à Chabandelmas par exemple. – Oui, tout à fait, qui deviendra ministre. – Et c'est là, au moment où Mendès France est aux affaires, donc nous sommes en 1954, c'est la fin de la guerre d'Indochine, la décolonisation paraît bien engagée un peu partout dans le monde, c'est là qu'il imagine peut-être… accompagné voilà, un au moment inéluctable. Où, voilà, il y a la Tunisie, il y a eu les accords de Carthage, cornaqués par Mendès France, le Maroc, le Edgar Faure, le successeur de Mendès France. Et il reste l'Algérie. Il reste l'Algérie. Et donc, c'est à ce moment-là, peut-être qu'il imagine une formule allant dans le sens d'une indépendance qui permettrait de maintenir la présence française en évitant le conflit qu'il sentait venir. Il faut effectivement prendre ce souci de Chevalier au sérieux, parce que bon, la haine que peut entraîner parfois Jacques Chevalier fait dire des bêtises, dire Chevalier pro-FLN, porteur de valise du FLN. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Il voulait sincèrement
mais à chaque fois, il trouvait une solution politique à la crise. Il a fait toute une série de mauvais choix. Mais le choix initial qu'il fait à la mairie d'Alger, qui est d'une certaine manière un laboratoire, il dit je vais, donc les élections ont lieu, il y a deux collèges, hein, le premier collège et le deuxième collège, le premier collège des Français, donc, ou des Européens, est entièrement dévolu aux amis, à la liste de chevaliers. Ils ont suffisamment de pourcentage, ils passent triomphalement. Hein. Donc il n'y a pas de liste adverse qui pourrait lui titiller les pieds, sauf peut-être deux, trois, enfin une opposition muette. Et du côté algérien ou du côté français musulman, ce sont l'UDMA de Ferhat Tabas s'est abstenu, je ne sais plus trop pour quelle raison, parce qu'on a toujours tort de s'abstenir, ça j'en suis sûr, et c'est le MTLD, qui a eu la totalité des sièges du deuxième collège. C'est ça. Donc il se retrouve au conseil municipal, ses amis, versus ou avec le MTLD. Et là, il dit ce qui a été loupé jusqu'à présent, c'est-à-dire un dialogue politique avec des forces politiques existantes, ce qu'avait regretté Soussel, quand Soussel est arrivé en 55, début 55 en Algérie, il voit le MTLD interdit, l'UDMA interdit, grâce à François Mitterrand et Emmanuel France, il dit c'est la plus grande bêtise qui ait jamais pu être faite. Ces gens-là n'étaient pas responsables du 1er novembre, donc on a poussé tous ces membres à les rejoindre par la suite. Il fallait jouer un fer à tabac qui expliquait qu'il avait cherché dans l'histoire nation algérienne et qui était sur une ligne réformatrice. – Et donc, bon, Chevalier a su saisir ça, mais ensuite… – Mais ensuite, il est, comme beaucoup d'ailleurs à ce moment-là, il est un petit peu dépassé par les événements, et puis le revirement gaulliste post-58, finalement, les choses lui échappent totalement. Alors, il y a un point intéressant… – Il se fera d'ailleurs virer par Salan au moment du 13 mai, en lui disant « Monsieur, vous dégagez de la mairie… » – Il sera écarté par Salan le 13 mai 58. Et alors, il y a une partie très intéressante de votre livre, porte sur le rôle qu'il a joué à la fin, en 1962, pour établir la liaison entre l'OAS et puis Abderrahman Farès, puis Mostefaï, les accords Susini-Mostefaï, toute cette séquence-là, vous l'évoquez dans votre ouvrage, et ça, je crois, c'est tout à fait intéressant parce que c'est très, très méconnu, ça n'a jamais été véritablement approfondi, cette question. Il y a eu un livre fait par l'ancien rédacteur en chef du journal d'Alger, qui était témoin de cet épisode, et qui était par ailleurs un ami de Chevalier. Mais oui, c'est un épisode intéressant parce que ce qui est très lié à ce qu'on pouvait dire auparavant, Chevalier, en dépit de toutes ses illusions, en dépit de sa repentance qui le gagne de plus en plus, est quelqu'un qui a quand même toujours voulu que la présence française soit maintenue, même dans le cadre d'une Algérie algérienne, mais qu'il y ait participation des Français à la vie ou futur de cette Algérie nouvelle. Et bon, il a tenté quelque chose à la mairie d'Alger, très vite effectivement dépassé par la dynamique de la lutte, parce qu'il se révèle que tous ses interlocuteurs français et musulmans vont partir dans les rangs du FLN, bien évidemment. Donc le dialogue est un peu interrompu, si j'ose dire, avec des dangers dans l'entourage de Chevalier, d'amitié plus grande avec le FLN. Il y a eu quand même eu de nombreuses perquisitions à la mairie à ce moment-là, et on a trouvé des armes, enfin, il y en a accusé, Chevalier, certainement pas, mais des gens proches de lui. – Des gens proches de lui, sur cette ligne. – Et qui étaient organisés, c'est ces réseaux chrétiens de gauche. – Oui, mais bien sûr, l'épisode de Monseigneur Duval. – Duval, c'est ça, voilà. Évidemment. Donc, en 58, il est fini, il est complètement out, son rêve n'est plus possible. Il rentre en France à ce moment-là et il est rappelé par un télégramme de Salan en lui disant « Écoutez, la situation est extrêmement difficile, on va vers une catastrophe ou un massacre réciproque. Donc si il y a une possibilité d'éviter le pire et de donner encore la possibilité aux Français de rester en Algérie, c'est d'initier une discussion entre le FLN et l'OAS. »
Voilà. Et donc vous expliquez, tout cela très bien dans votre ouvrage, qui effectivement apporte des lumières tout à fait nouvelles sur ces épisodes-là. Hein, je rappelle son titre, Jacques Chevalier, Les fidélités successives du dernier maire d'Alger aux éditions de l'Harmattan. Et je rappelle aussi donc vos deux ouvrages précédents consacrés aux éditions de l'Harmattan également, à Jacques Soustelle d'une part, Robert Lacoste d'autre part. Alain Herbette, merci. C'est moi qui vous remercie.